Yo les gars, CNCU, nouvelle petite vidéo de défi. Alors aujourd'hui, un petit défi très très dur. Parce qu'en fait, ce défi, c'est celui-là. Atterrir à des points chauds. Et on pourrait se dire, bah qu'est-ce que c'est un point chaud? C'est une ville. Je sais pas, la Citadelle, c'est une ville très connue, il y a beaucoup de monde qui atterrissent. Et non, détrompez-vous. Ce défi, même moi pour quelqu'un d'intelligent, bon je dis pas que vous êtes bête, je dis juste que voilà. Eh bien, j'ai quand même galéré à comprendre le défi. Mais j'ai réussi à comprendre et donc je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Évidemment, n'oublie pas le code créateur NCU pour me soutenir, les gars, ça me ferait très 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 plaisir. Je suis un petit youtubeur, j'ai besoin de soutien. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. Hop, donc c'est parti, la game va se lancer et vous allez voir le défi. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait 2 sur 3. Comme ça, ben j'ai pas besoin non plus de faire 3 atterrissages parce que sinon ça durerait 10 000 ans. Parce que déjà pour lancer une game, les gars, ça dure 5 minutes. Donc si je dois faire 3 games, ça durerait 15 minutes, la vidéo serait trop longue et vous serez tous en train de me crier dessus en commentaire. Donc j'ai déjà fait 2 atterrissages, il ne manque plus qu'un seul. Vous pouvez peut-être le faire en une seule game les gars, mais par contre il faut avoir le planeur. Et oui, vous devez avoir un petit planeur, donc soit des tremplins, etc. Et donc vous pouvez faire en plusieurs parties. Mais moi je vous conseille, dès que vous avez fait un atterrissage, vous quittez, vous faites le deuxième, vous quittez, vous faites le troisième. C'est vraiment la meilleure technique. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un point chaud, les gars? Je ne le savais pas, mais en fait, c'est une ville en doré. Voilà. Un point chaud, c'est une ville en doré. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a deux. Et donc, vous pouvez le faire 2 fois en une partie. Et 3 si vous avez de la chance et qu'il y a 3 villes points chaudes. Donc, moi, j'ai 2 villes points chaudes. Donc, premièrement, je vais atterrir à celle-là. Et deuxièmement, si je voudrais, je pourrais prendre un tremplin et aller à la deuxième pour faire le deuxième défi. Mais ce que je vous conseille, c'est de quitter et relancer. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trouver un tremplin, ça va mettre 10 ans. Hop, donc vous atterrissez, tout simplement. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un endroit où la ville est en doré. Le nom de la ville est en doré. Donc c'est parti, on atterrit. Normalement, les gars, si je dis pas de bêtises, vous pouvez pas atterrir plusieurs fois au même endroit. Donc si vous relancez une game et c'est encore la même ville, essayez de relancer pour avoir une deuxième ville et une troisième qui est pas pareille. Moi, c'est ce que je vous conseillerais, en tout cas, si j'étais vous. Donc c'est parti, il n'y a pas de montage les gars, c'est rapide, c'est entre nous, regardez, en 3 minutes j'ai déjà fini. Hop. Et puis mon petit skin Bambi parce que j'ai déjà fait les défis sur ma chaîne YouTube. Enfin, les autres défis, si vous vous rappelez bien. Donc on atterrit. Hop. Et regardez, atterrir à des points chauds, c'est validé. Tout simplement. Hop. Accomplir 3 quêtes d'exploration, c'est validé. On obtient un outil de collecte. Pour avoir cet outil de collecte, les gars, je vais vous expliquer aussi comment faire. Mais attendez. Ah, faut toujours attendre les défis. Vous regardez en haut à gauche. Les défis, ils vont s'afficher à chaque fois. Donc, on attend un petit peu. Et c'est bon. Dès qu'il n'y a plus de défis, on quitte. Donc là, si jamais vous n'avez pas fait encore les 2 autres villes, donc vous quittez, vous relancez la game et vous re-atterrissez à un endroit doré. Et donc, on débloque l'épée légendaire de divination parce qu'on a fait 3 défis d'exploration. Donc, ces défis-là. Quand vous en faites 3, vous avez une belle épée. Et donc, forcément, ça fait très plaisir. Évidemment, n'oublie pas le code créateur NCU pour me soutenir. Ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. Allez, ciao!